Qu'est-ce qu'il fout l'autre là-bas? Qu'est-ce qu'il fout là? Hé, hey, Toshiba là-bas, oh! 15h30, stade de Beauvallon-sur-Oise, à l'heure de l'entraînement. Tu veux que je t'apprenne à tirer dans un ballon, le connard? Putain, mais qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Tu sais combien je te paye là pour jouer avec tes pieds, connard? Toshiba là. Bon, il est où là? Tiens, Toshiba là, viens ici, toi. Viens là. Viens là, tu vas me remplacer ce con là aussi, je vais lui exploser la gueule. Alors, moi c'est pas Toshiba, c'est Federico da Silva. Ouais, c'est bon, allez, va remplacer ce con là, putain. Non, vous savez, le sport pour moi c'est une passion. C'est vraiment une passion. Moi quand je vois un stade entier qui se lève et qui crie, enfin, je sais pas si vous imaginez, 25 000 personnes à 250 francs à la place, qui se dressent de joie, enfin. Moi, ça me bouleverse, enfin, franchement. Ça... Depuis que M. Filuccelli a pris en main l'équipe de Beauvallon-sur-Oise, le moral dans les cafés de la ville est bien remonté. Enfin, nous avons trouvé celui qui sera capable de redonner à la localité ses lettres de noblesse footballistique. Allez, c'est bon. On va voir ce que les petits vont faire ce soir. J'espère qu'ils vont avoir le... Bonjour, monsieur l'arbitre. Salut Toshiba, ça va? Bonjour. Ouais, ça va mieux, là, ton rotule, là, ça va mieux? Bon, c'est... Bonjour. Salut. Hein? Ça, c'est pas mal. Ouais, ça, courage. Comment ça va mieux ou pas alors? Bah, pas terrible. Hein, comment ça va terrible? Bah, tu m'as dit qu'au bout de deux semaines, ça irait mieux, non? Oui, enfin bon. Eh, hey, oh, je te paye pas 30 bâtons par mois pour te donner des couilles de gonzesse, non? Ah, on avait dit 50. Attends. Hein? Non, mais c'est 30. Non, tu auras tes 50, ouais. Mais c'est 30. Ok, d'accord. 30 et tu auras tes 50. Ok. Ok, allez, c'est bon, allez, va. Ok, on va jouer bien. Du beau football. Hein? T'as que du bon football, va. T'as jamais marqué, c'est tout ce qu'on demande, va. Ça va y aller, ça va y aller. Ce jour-là, c'est la déception dans le camp de Filuccelli. L'équipe de Beauvallon est menée 2-0 à la mi-temps. On a eu des petits problèmes en première mi-temps. J'espère que les petits vont se ressaisir en deuxième mi-temps. On a tout espoir. À tout à l'heure, messieurs. À tout à l'heure. En deuxième mi-temps, surprenant retournement, 6-2, dont 4 pénaltys. Vous-même, vous avez été footballeur? J'étais à l'honneur. Et croyez-moi qu'à l'époque, j'hésitais pas à monter au filet. Enfin, maintenant, je n'ai plus l'âge. Je n'ai plus l'âge. Le football vous dit merci, monsieur Filuccelli. Tu vas me devenir un grand footballeur, hein? Ok? C'est bon. Allez.